chercher tes parents. Va me chercher tes parents, j'ai dit. Ah, s'il vous plaît, tonton. S'il vous plaît. Sauvez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai un sérieux problème à l'école. Mon surveillant m'a renvoyé. Pourquoi le surveillant vous a renvoyé? Vous avez fait quoi, monsieur? Ce surveillant-là, c'est un taré. Le surveillant qui a été 10 fois au bac, il me renvoie moi. Mais c'est pas normal. Où est-ce qu'on a dit encore que les surveillants doivent renvoyer des enfants de l'école maintenant, hein? C'est le nouveau programme. L'enfant, on doit le supporter tel qu'il est. Et il demande à voir mon père. Oh, mon papa, c'est un chien sauvage, il va me déchiqueter. J'ai besoin de vous. Si tu m'appelles là maintenant, c'est pour que j'aille faire ton papa là-bas. C'est pour jouer le rôle de ton père là-bas. Oui. Toi, mon enfant là, il y a des choses que je n'aime pas. Hein? Il y a des choses. Je vais te taper dur. Hein? C'est bon comme ça. Vous rentrez déjà dans le rôle. Si tu veux, même je vais faire chier enragé. Parce que tu as certainement fait une connerie, c'est pas normal ça donc, c'est pas normal. Sois un élève modèle, c'est tout ce que je te demande ici. S'il vous plaît, vous ne criez pas ici. Désolé, monsieur le surveillant, désolé. C'est le surveillant ça. Tu devrais faire ça là-bas depuis. Désolé monsieur le surveillant, désolé. Voici mon papa. Voici mon papa, voici mon papa. Et tu as besoin de faire du bruit? Voici mon papa, et tu fais du bruit sur le surveillant. C'est ton enfant? C'est mon enfant monsieur le surveillant. Vraiment désolé pour tout ce qui vous crée comme désordre. Et il est venu me chercher maintenant à l'atelier pour me demander de venir parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait au surveillant. Le surveillant l'a renvoyé pour aller chercher son papa. Et il ne te l'a pas dit? Non, il ne t'a pas dit que j'ai été au bac 10 fois sans l'avoir? Tu m'as jamais dit ça. Sado, si tu n'as pas dit ça, comment il a su? Tu m'as jamais dit ça. Tu m'as dit ça tout à l'heure, qu'il a été au bac 10 fois, qui n'est pas un intellectuel. Non. Tu m'as dit ça. Non. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Oui, il n'a jamais dit ça. Mais comment vous l'avez su? Il ne t'a pas dit qu'il a eu 0 en mathématiques. Son professeur lui a remis la copie, il l'a déchiré et lui a jeté ça à la figure. Non. Attends, tu as fait quoi? Donc je mens, c'est ça? Papa, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. Quoi? Pourquoi je me déshabille? Tu m'as dit de jouer ton père. Mais reste tranquille, je suis en train de faire le rôle du père. C'est pourquoi tu négocies, tu me demandes pardon aux oreilles. Non, tu n'allais pas me demander pardon et venir faire des bêtises ici. Si tu voulais demander pardon, tu allais te comporter bien. Comment ton professeur de mathématiques te donne 0. Tu n'as pas mérité 0. Si tu te donnes 0, c'est parce que tu as mérité 0, non? C'est parce que tu as mérité 0, non? Il te donne 0. Si tu es sur la fin, et tu le jettes à la figure, qui t'a mis au monde? Quoi? Parce que je fais semblant d'être ton père, c'est... Pourquoi c'est pour ça que tu m'as payé, non? Tu m'as fait semblant de... C'est quoi? Ça fait mal. Non, il n'y a pas de... Ah non, toi c'est trop, hein? Toi c'est trop. Vous n'êtes pas mon père, vous me frappez comme ça, non? Vous n'avez pas le droit. Je ne suis pas ton père. Tu n'es pas mon père. Ah bon? Moi je ne suis pas ton père. Tu n'es pas mon père, oui. Ah bon? Oui. C'est pas tout à l'heure que je t'ai vu sur la rue. Je t'ai payé pour que tu puisses venir ici jouer mon père. Ah. Tu m'as payé moi pour venir jouer ton père? Oui. Tu n'es pas mon père? Ah bon? Ça fait mal. As-tu du coin? Ah? Un enfant a dit ça à son papa? Ah. Tape-moi encore, tu vas voir. Ah. Tape-moi encore. Ah bon? Oui, donc il n'est pas ton père? Non, tu l'as. Ça devient un problème familial. Oui, oui. Et... Ça devient un problème familial ou bien? Oui. Je ne suis pas ton... Tonton Victor le bourgeois, appelé Manti Music.